Alors bonjour, bienvenue à tentative d'explication de cours en direct à partir des diapos. Alors, le chapitre 2 du thème 2, si vous voulez, l'idée c'est de comprendre comment la Chine est passée d'un pays qui était relativement renfermé sur lui-même à un pays aujourd'hui globalement ouvert et qui est devenu d'une certaine manière la première puissance économique en termes de PIB. À parité de pouvoir d'achat par rapport aux États-Unis, on va voir quand même qu'il y a pas mal de différences malgré tout entre les deux puissances. Alors l'idée, si vous voulez, c'est États-Unis, Chine, Moyen-Orient suivent les principaux points stratégiques du monde qu'on n'a pas le temps de traiter dans le reste du programme. Ici, on vous pose d'entrée une relation, d'accord? C'est toujours la même relation que pour les États-Unis, on le verra après pour le Proche-Orient. La Chine et le monde depuis 1949. Ça implique que la Chine ne peut pas être traitée seule dans une copie. C'est toujours la Chine par rapport au monde, comment la Chine se lie au monde, comment la Chine elle arrive à tisser des liens avec le reste du monde. Du coup, je vous ai mis comme problématique l'affirmation de la puissance chinoise à l'échelle mondiale, comment la Chine s'affirme petit à petit, et comment le pouvoir chinois va passer d'un modèle totalement communiste à un modèle ouvert où le capitalisme a sa place, mais où on réprime quand même les gens de manière très autoritaire, ça reste un régime dictatorial d'une certaine manière. Alors. Alors si on en revient à l'introduction, je l'ai faite très sommaire, l'idée c'est de vous resituer tout un tas d'éléments de contexte pour comprendre ce qu'était la Chine, essentiellement de 1949 aux années 2010, mais surtout de voir ce qu'était la Chine durant la guerre froide. D'accord? Des choses qu'on n'a pas le temps de voir en histoire la plupart du temps dans le programme du lycée. La Chine est un pays et une civilisation originale. Qu'est-ce que ça veut dire déjà à la base? Alors, bon, sommairement, civilisation originale, ça implique que la Chine a longtemps été une des civilisations mondiales qui domine. Les Chinois étaient très en avance sur le reste du monde pendant longtemps. Les Chinois ont produit un empire quand même très vaste, qui a dominé culturellement et politiquement l'Asie pendant plus de 2000 ans. Donc on est face à une civilisation qu'on dit originale, qui s'est fermée au monde une bonne partie du temps à ce que les Chinois, comme les Japonais, estimaient ne rien avoir à apprendre des autres. Ils ont été forcés à s'ouvrir, si vous voulez, au 19e siècle. Alors on a des alternances comme ça, et je le comparais un petit peu à l'Inde. Nouvelle diapo, alors sur celle-ci, je voulais simplement présenter la rupture qui a eu lieu à peu près en 1949, quand Mao Tse-tung, ici présent, justement s'est trouvé à la tête de la Chine après avoir mené la guérilla communiste contre les Japonais notamment, quand il prend le contrôle total du pays, alors que justement, une petite partie des nationalistes qui gardaient le contrôle de certaines côtes ou certains ports, comme Chiang Kai-shek, si vous voulez, se retrouvent à devoir fuir ici, à Taipei, c'est-à-dire la capitale de Taïwan aujourd'hui. Taïwan étant toujours un État indépendant de la Chine continentale et communiste, plutôt capitaliste et une démocratie qui fonctionne pas trop mal, mais on n'en parlera pas quasiment pendant le chapitre. Donc on a bien deux Chines, une qu'on dit continentale et communiste, qui est la République populaire, et une autre République qui est Taïwan, Taipei, et après on s'en occupe plus. De la même manière, on a une période particulière qui est celle où Mao Tse-tung s'est imposé à une bonne partie du reste des élites du Parti communiste chinois. Ici, vous avez des images de propagande diverses où on voit Mao, là, comme ici. Ça fait référence aussi à une période bien particulière durant laquelle il y a eu des dizaines de millions de morts en Chine. En premier lieu, le fameux grand bond en avant. Ce grand bond en avant, ça vous dit peut-être rien,
Mais c'est une période révolutionnaire durant laquelle Mao s'est évertué à collectiviser les terres et à contraindre, si vous voulez, les paysans à collectiviser leurs entreprises et la terre est passée entre les mains de l'État. Alors pendant cette période, si vous voulez, on se retrouve face à une situation où les paysans n'ont plus accès à leurs terres comme ils veulent, ils doivent travailler selon les conditions du Parti communiste et les famines se développent dans le pays, ce qui va occasionner entre 30 et 55 millions de morts. Collectivisation et révolution dans les campagnes. Alors le grand bond en avant, c'est ça. Ça, on peut considérer qu'on le prend comme élément de contexte. Très rapidement, ici, je vous présentais le témoignage justement de quelqu'un qui a vécu le grand bond en avant et qui a expliqué comment le cannibalisme s'était développé dans une partie du pays à cause de l'absence de nourriture et des millions de Chinois qui mouraient de faim à ce moment-là. Donc ça peut servir d'exemple en rappelant, si vous voulez, l'échec de certaines réformes qu'a voulu Mao Tse-tung, qui a fait que la Chine communiste s'est retrouvée très appauvrie et affamée. Alors, une autre diapo qui change assez radicalement, mais pour rappeler que la Chine est devenue une puissance parmi les quelques-unes qui l'affirment haut et fort, une puissance nucléaire à partir de 1964, avec l'aide justement de l'Union soviétique. Alors, les soviétiques avaient apporté en partie leur aide au début aux Chinois, et ensuite les Chinois ont réussi à développer ça aussi avec des scientifiques du bloc soviétique ou pakistanais. Avec la révolution culturelle, on entre dans une autre phase du pouvoir maoïste, de Mao Tse-tung. Si vous voulez, c'est une période durant laquelle Mao reprend la tête du Parti communiste en Chine et pour se venger d'une partie des élites qui l'avaient plus ou moins écarté du pouvoir pendant quelques années, bon, on peut considérer qu'il a été écarté du pouvoir pendant 4-5 ans, en tout cas de manière assez flagrante. Pour se venger, il choisit d'envoyer les élites, les universitaires, les hauts fonctionnaires, les gens justement qui lui ont fait du tort, pour beaucoup, en camp de rééducation. Et on les envoie à la campagne essayer de survivre au milieu des paysans. Alors, les répressions par les jeunes qui soutenaient Mao et tout un tas de brimades, d'enfermement en camp, ont fait là encore plusieurs millions de morts, peut-être 10, 20, 30, on n'a pas de bilan détaillé. Alors, autre élément de contextualisation, mais là vraiment dans la relation proprement chinoise au reste du monde, à partir des années 60, certains pays reconnaissent la Chine, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent plus Taïwan comme étant la véritable Chine, mais la Chine continentale de Mao Tse-tung et communiste comme étant l'État principal. Donc dès 1974, c'est un pas que fait le général de Gaulle. À partir de 72, le président américain Nixon reconnaît la Chine communiste et va en Chine communiste visiter Mao, justement parce qu'il veut briser l'unité du bloc communiste qui était déjà sacrément fissuré, mais il veut se servir de la Chine pour contrer l'influence des Russes, des Soviétiques. Alors dans cette présentation rapide, on va parfois très très vite, mais c'est des éléments de contexte que vous ne pouvez pas avoir eu les années précédentes, donc on ne peut pas forcément non plus rester des heures dessus. Mais à la mort de Mao Tse-tung, à partir de 1978-79, le nouveau président Deng Xiaoping ouvre le pays à l'économie capitaliste, crée les ZES, les zones économiques spéciales, surtout autour de Hong Kong, Shanghai et Pékin, où les entreprises étrangères vont pouvoir investir comme elles le veulent. Donc on sort totalement du modèle communiste classique. Là, par contre, il s'agit plus d'un rappel de ce que la nouvelle politique de Deng Xiaoping implique pour les Chinois, c'est-à-dire que, contrairement à Mao, qui souhaitait une Chine forte de 2 milliards d'habitants, qui souhaitait développer la population sans faire attention ni à l'environnement ni à la capacité de production alimentaire du pays,
À partir de l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, on va empêcher justement les Chinois de faire trop d'enfants, quitte à parfois stériliser des gens de force ou à faire avorter d'ailleurs certaines personnes, mais surtout en mettant des amendes tellement chères aux gens qui ont deux ou trois enfants que la plupart des Chinois vont s'en tenir à un enfant. Alors ça va créer une situation particulière dans le pays qui est celle de l'enfant unique et l'enfant roi et des générations actuelles de Chinois qui ont grandi seuls, sans frères et sœurs. Donc, notre petit tour d'horizon nous fait arriver dans les années 2000, moment où la Chine, justement, commence à devenir une grande puissance économique et plus seulement une puissance politique ou militaire. Et pour montrer cette puissance, elle va organiser divers événements. Donc, en premier, les JO de Pékin, puis l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Alors la Chine organise de plus en plus de compétitions sportives ou d'événements majeurs parce que ça fait partie de sa politique d'ouverture mondiale et qui tend à prouver que la Chine est devenue une des deux, trois principales puissances mondiales. Ensuite, dans sa volonté de concurrencer les Américains ou les Européens dans certains domaines, vous avez justement celui de la conquête spatiale. Les Chinois y arrivent très tard par rapport aux Russes ou aux Américains ou aux Européens. Donc ils ont un programme assez simple. En premier, le vol habité. En deuxième, c'était envoyer une femme. Et en troisième, justement, la conquête de la Lune à travers divers petits robots qui ne sont pas non plus extrêmement complexe en termes technologiques, mais qui montre que la Chine est capable de faire seule au moins aussi bien que les Russes. Alors cette introduction-présentation, ça nous amène à réfléchir à comment vous pourriez justement construire votre introduction, en rappelant que la Chine est une civilisation particulièrement originale, qui a toujours hésité entre s'ouvrir et se refermer sur elle-même, qui regarde le monde aujourd'hui avec des yeux différents, de plus conquérants et qui, avec une volonté de s'affirmer qui est pas, qui va pas sans nationalisme. Et essayer de présenter ensuite justement comment on en est arrivé là. Cette évolution, elle commence là dans la première partie du cours sur la naissance d'une autre voie communiste qui va être définie par Mao Zedong. Et comment petit à petit vont s'éloigner de l'URSS, surtout après la mort de Staline que Mao Zedong admirait particulièrement. En 53 meurt Staline et là les Chinois ont tendance à s'éloigner du modèle soviétique et à essayer de chercher leur propre modèle. Ce qui aboutit au monde dans lequel on vit durant la guerre froide, si vous regardez, j'agrandis la carte, en plus du bloc soviétique qui est marqué ici en rouge très foncé, vous avez les pays satellites de l'URSS, mais un nouveau bloc qui se crée avec les Chinois, ici, d'ailleurs c'est globalement Chine et Mongolie, qui vont former un bloc avec la Corée du Nord également, des pays asiatiques qui gravitent autour de la Chine, et qui vont rentrer dans la guerre froide à leur manière bien particulière. Alors la Chine dans la guerre froide, elle va souvent être utilisée par les Américains pour s'opposer à l'URSS, mais au départ, la relation Amérique-Chine a été dans le conflit durant la guerre de Corée en 1950-53. Cette guerre de Corée, quand on le voit ici, elle met aux prises les Américains qui sont alliés des capitalistes de Corée, qu'on dit du Sud aujourd'hui, et les Chinois qui sont les alliés des Coréens du Nord. D'accord? Une première invasion coréenne du Nord qu'on voit ici, qui arrive à prendre une bonne partie du pays. Une contre-attaque américaine qui renvoie les Coréens du Nord et les communistes très loin. Et au final, une contre-attaque chinoise que vous avez justement ici en jaune, où les Chinois ont massé des millions d'hommes et les ont lancés à l'assaut des positions américaines, pour avoir une forme de fixation de la nouvelle frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud. Alors les Américains ont accepté la partition, occupé la Corée du Sud, et la Corée du Nord est devenue un État communiste, comme vous le savez toujours aujourd'hui.
Un État communiste qui se trouve être animé par un dictateur fou, Kim Jong-un, qui menace toujours les pays de la région de leur tirer des missiles nucléaires sur la tête. Comme je l'ai dit précédemment, la mort de Staline arrive en 1953 et c'est autant un choc pour les Chinois que pour ici le journal L'Humanité, dans la mesure où Mao entretenait des relations extrêmement cordiales avec Staline. Il avait une vision de la puissance de l'État communiste qui était similaire à celle de Staline, c'est-à-dire un État autoritaire très dur qui sera le seul capable de faire avancer la révolution. Alors, à partir de la mort de Staline, l'URSS et la Chine s'éloignent l'une de l'autre, essentiellement parce que le monsieur ici, Nikita Khrouchtchev, va opérer ce qu'on appelle la déstalinisation. Alors, la déstalinisation, ça va consister essentiellement au fait de dénoncer les crimes de Staline, ça va pas plaire du tout à Mao, en plus, qui a tenté de faire ce que Staline a fait dans les années 30, c'est-à-dire collectiviser, tenter une industrialisation massive, ça a occasionné beaucoup de morts comme à l'époque de Staline. Et très vite, Mao, face à la tentative de Khrouchtchev de tendre la main aux États-Unis et de chercher une forme de paix, va rejeter l'URSS. Donc on a une première rupture majeure entre l'URSS et la Chine qui fait que la guerre froide prend une tournure plutôt intéressante pour les Américains qui vont avoir un autre État communiste sur lequel s'appuyer pour lutter contre les Soviétiques. À partir de cette rupture du monde communiste, Mao s'affirme, veut en tout cas être le seul leader du monde communiste, propager la révolution communiste notamment en Asie, et c'est en partie ce qui va d'ailleurs gêner les Américains au départ. Et ce qui sera plus facile à gérer une fois que la guerre du Vietnam sera en partie consommée, ce sera justement se rapprocher de la Chine pour que la Chine ait une politique moins agressive dans la région et se tourne plus vers l'ouverture capitaliste comme ce sera le cas à la fin des années 1970. Bon, très rapidement ici, j'évoque à travers la carte et un petit texte un affrontement sur la frontière russo-chinoise, sino-russe, où on a tiré quelques coups de feu. C'était plus symbolique dans le sens où Chinois et Soviétiques voyaient bien marquer à la fois leur désaccord et le fait que les frontières allaient être excessivement bien gardées contre une éventuelle incursion soviétique en territoire russe ou vice-versa. Plus important, en 1979, alors que ce sont les Soviétiques qui ont aidé les Vietnamiens essentiellement à gagner la guerre du Vietnam contre les États-Unis, là la Chine intervient pour, on va dire, embêter son petit voisin du sud vietnamien qui est assez opposé à sa politique, alors que les Chinois aussi tentent d'implanter leurs guerriers révolutionnaires au Cambodge, les Khmers Rouges, en tout cas leur soutien. Ce sont des jeux géopolitiques propres à la région, voilà, qui ne nous intéressent pas forcément, mais il faut rappeler que la Chine a été un acteur justement important dans l'ancienne Indochine, durant la guerre du Vietnam, plus d'ailleurs du côté de la volonté de limiter l'influence des Vietnamiens qui venaient de gagner leur guerre contre les Américains que pour soutenir un allié communiste. Alors cette partie B du cours de la première partie essaie d'aborder le fait que la Chine ne se soit pas affirmée comme une grande puissance tout de suite, mais que cette affirmation a été difficile. Donc dans les années 50, ça commence d'ailleurs après la mort de Staline par la volonté chinoise de définir une troisième voie qui soit ni soviétique ni américaine, avec d'autres leaders de ce qu'on va appeler après le tiers-monde. Que sont donc Nehru, le premier ministre indien, et Sukarno, le président indonésien. C'est un moment où le tiers-monde se développe, mais le leadership chinois de tous ces pays du tiers-monde, tous ces pays qui vont se décoloniser après de l'Afrique et à l'époque de l'Asie, ne sera jamais totalement accepté par les autres pays, et au final, la Chine va un peu arrêter d'essayer de s'imposer par le biais justement du tiers-monde. L'entreprise de,
on va dire, de séduction politique du tiers-monde, en plus, elle s'arrête très très vite dès 1959, parce que la Chine envahit le Tibet, qui à l'époque était un royaume indépendant, va occuper tout ce territoire qui est très vaste et étendre ses provinces, envoyer des Chinois, on va dire, des côtes et des grandes villes y habiter, envoyer l'armée. Et de ce fait-là, la Chine va se retrouver collée à la frontière indienne et dans des petits conflits territoriaux sur cette frontière. Donc Inde et Chine vont avoir des relations moins cordiales. Alors malgré ces échecs-là tiers-mondistes, la Chine va développer des nouvelles technologies militaires, alors plus ou moins avec l'aide des soviétiques dans ce cas-là, et parfois justement de vol d'informations. Mais les Chinois vont développer les missiles pour pouvoir atteindre éventuellement Taïwan, qui est le grand ennemi, Taïwan qui est resté un morceau de Chine qui n'est pas communiste mais capitaliste et sous protection américaine. Mais la grande victoire chinoise, c'est pas du tout une victoire militaire, si vous voulez, c'est la République populaire chinoise qui remplace Taïwan à l'ONU et qui donc va prendre une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. En conclusion de cette partie qui s'intéresse vraiment à l'expansion chinoise sous Mao Tse-tung surtout, jusqu'à sa mort et les débuts timides de Deng Xiaoping, l'influence chinoise elle est encore très limitée à l'époque, elle est surtout régionale, influence au Vietnam, influence au Cambodge, influence en Corée, menace sur Taïwan, mais la Chine est loin d'être une puissance mondiale. Autre point, elle est peu développée économiquement à l'époque et donc elle n'est pas non plus capable d'aller investir dans des pays ou d'influencer la politique d'autres puissances éventuellement régionales et encore moins militairement où l'URSS et les États-Unis dominent largement à l'époque. Donc pour revenir sur toute la partie, on a une Chine qui petit à petit s'affirme mais au niveau international, ça reste très timide. Au niveau économique, la Chine connaît beaucoup d'échecs avec le grand bond en avant et la révolution culturelle. Ça fait beaucoup de morts. La Chine reste une puissance économique peu importante. À la mort de Mao, la Chine s'est juste affirmée comme puissance politique auprès des États-Unis, mais tout en ayant besoin de leur aide. Et au final, ça reste une puissance très limitée. Et c'est là-dessus qu'il faudra insister dans une copie. Avec la mort de Mao et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, on a une Chine toute nouvelle qui commence à apparaître, même si elle va mettre tous les années 80-90 à réellement s'affirmer, mais une Chine qui se veut communiste tout en s'ouvrant à l'investissement étranger et au capitalisme petit à petit. Donc on a une contradiction assez importante. Ici, si on regarde l'affiche, ça peut être justement le rappel de Karl Marx, ici, de Lénine, et de Mao en dernier. D'accord, trois figures du monde communiste, qui au final représentaient un idéal de changement social, de partage des richesses. Les Chinois vont rester sur le modèle soviétique de l'État possède tout et l'État écrase un peu le peuple. Et Deng Xiaoping, lui, va choisir de garder, si vous voulez, cette composante dictatoriale, c'est-à-dire un parti unique, très peu de liberté publique, les individus ont peu de liberté, et notamment la liberté de circulation a longtemps été très contrôlée en Chine, avec des passeports intérieurs comme en URSS. Par contre, la nouveauté, c'est, comme vous le voyez ici, le capitalisme qui va s'affirmer en Chine comme la nouvelle donne pour créer de la richesse économique. Alors Deng va lancer un programme de réforme assez simple. L'agriculture, l'industrie, la recherche et les sciences et technologies diverses et variées. Des réformes qui visent surtout à redonner aux petits paysans la capacité d'utiliser sa terre un peu comme il le veut, ce qui va relancer la production agricole. Une industrie qui va être de plus en plus tournée vers la fabrication de jouets, de textiles, de choses que vous voyez produites en Chine assez fréquemment encore aujourd'hui.
et un début de recherche scientifique qui veut rattraper le retard de la Chine. Donc le programme de réforme de Deng, qu'on peut voir justement se terminer au moment où la Chine devient réellement une puissance économique, c'est une vingtaine d'années pour essayer de rattraper un retard accumulé par rapport à l'Occident. D'ailleurs, quand Deng décide de décollectiviser les terres, comme ici, il s'agit avant tout, voilà, de donner une forme de responsabilité au paysan qui va retrouver un peu de propriété, il va pouvoir en tirer des bénéfices. Ici, la une de Time, à l'époque, dit justement que la Chine s'éloigne de Marx, ça veut dire qu'il y a un retour à une forme d'économie privée et de capitalisme qui va permettre à la Chine de se développer en partie grâce à l'argent des grandes puissances, des grandes firmes américaines ou européennes. En même temps, Deng Xiaoping va lancer la révolution verte avec une agriculture de plus en plus industrielle, avec beaucoup d'engrais, de pesticides qui vont augmenter la production, qui va résoudre la plupart des problèmes de famine qu'on avait en Inde, en Chine, pardon, auparavant. Alors, cette logique de capitalisme, là, qui va être développée par Deng Xiaoping sur les régions côtières, que vous voyez ici, d'accord, les régions qui ont l'espace urbain le plus marqué, qui sont les plus densément peuplées, vont être celles qui vont accueillir les usines des grands groupes étrangers, et ça va donner lieu à ce que les flèches vertes montrent, c'est-à-dire l'exode rural, les populations rurales vont aller massivement dans les provinces côtières pour travailler. Donc la Chine va mettre à disposition du monde capitaliste sa main d'œuvre et va espérer se développer. C'est ce qui nous amène à la création d'un oxymore, c'est-à-dire de deux termes très contradictoires, du socialisme de marché. Alors ici, on a l'ouverture de la Chine sur les investissements étrangers, notamment ceux des industriels de Taïwan, qui est pourtant le grand ennemi, des industriels coréens ou japonais, et aussi, si vous regardez ici, de Hong Kong. Quand la région de Hong Kong, Canton, Shenzhen, Macao, tout ça, va devenir la principale région économique de Chine, avec en partie des capitaux proprement chinois, qui viennent des riches hommes d'affaires de Hong Kong. Donc cette ouverture capitaliste, elle se fait aussi en partie avec des Chinois de Taïwan et de Hong Kong, qui sont ceux qui ont le plus intérêt à ce que la Chine du continent se développe très vite. C'est toujours dans ce programme des zones économiques spéciales voulues par Deng Xiaoping qui va faire aussi que la Chine, encore aujourd'hui, est un pays divisé entre les provinces les plus riches, les provinces côtières qui sont ouvertes sur le monde, et celles de l'intérieur qui sont un peu moins développées et un peu moins. Alors c'est ce qu'il fait avec cette photo de jeunes Chinois en train de travailler dans le textile, que la Chine devient ce qu'on appelle un pays atelier. Un pays atelier, c'est avant tout un pays qui va produire dans des usines essentiellement des productions qui vont être exportées vers les pays consommateurs que sont les pays européens ou l'Amérique du Nord. Donc c'est un paradoxe parce que c'est un pays qui se dit toujours communiste mais qui va produire les vêtements, les ordinateurs et un peu toute la cacaillerie, les jouets, les babioles, surtout dans les années 70, que les Européens américains vont consommer. La deuxième partie nous permet, si vous voulez, d'appréhender comment la Chine est devenue une véritable puissance économique. C'est venu surtout sur ces graphiques-ci, et c'est assez rapidement visible, à partir des années 90. Alors, avant, on a une croissance, un PIB relativement stable. À partir des années 90, la croissance est exponentielle. Aujourd'hui, le PIB chinois fait près de 11 000 milliards en dollars courants et 20 000 milliards en PIB parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire quand on le ramène au niveau de vie réel des Chinois. C'est-à-dire que la Chine, en très peu de temps, en réalité, a multiplié son PIB parfois tous les
3 ou 4 ou 5 ans, on avait un doublement de la richesse produite en Chine. Ça s'est fait tout doucement, ça a décollé à la fin des années 80, mais ça a été quand même assez rapide comme phénomène. Ensuite, ici, on voit comment le modèle chinois est surtout tourné sur les exportations. Alors, les importations sont devenues aussi importantes dans la mesure où pour produire toujours plus de vêtements, de voitures, d'ordinateurs, il faut importer des matières premières pour les construire. Là, les exportations, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ça décolle de la même manière à la fin des années 80 quand les réformes de Deng Xiaoping commencent à porter leurs fruits et que donc on a une transformation assez radicale de la structure économique chinoise avec toujours plus d'exportations. Alors ça a enrichi beaucoup le pays aussi, dans la mesure où ces exportations se font en dollars, et la Chine a accumulé beaucoup de réserves dans cette monnaie. Alors, plus de 10% de croissance en moyenne dans les années 80, 90 surtout, et 2000, ça implique que la Chine a eu des taux de croissance largement supérieurs à ce que la France a eu dans les 30 glorieuses ou à ce que les États-Unis ont eu. Donc la Chine a rattrapé une partie de son retard de manière très rapide, quitte à ce que ça cause pas mal de soucis en termes environnementaux. Grâce à cette puissance économique qui a permis de s'affirmer grâce à la croissance, donc là ici je vous ai mis deuxième économie mondiale en 2010, première en parité de pouvoir d'achat en 2014. En parité de pouvoir d'achat, toujours cette manière de concevoir le PIB par rapport au niveau de vie des gens localement, la Chine est assez largement maintenant devant l'Union européenne et les États-Unis. Et elle s'est mise à investir massivement dans tout un tas de régions du monde. D'accord ? Ici, essentiellement, les régions de la triade, parce que c'est là qu'on peut faire le plus d'argent de manière intéressante. Asie, Europe, Amérique du Nord. Mais l'Afrique ou l'Amérique du Sud deviennent aussi des terrains de chasse intéressants pour les Chinois. D'accord ? Donc les investissements étrangers explosent, et ça permet de d'étendre l'influence chinoise. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire si on doit le traduire en termes encore plus concrets? Grâce à l'argent que la Chine a accumulé avec toute cette période de croissance, elle peut investir dans des pays pour construire des routes, des barrages, des trains, des usines, développer son économie, investir avec des sociétés privées ou d'État. Et parfois les Chinois ont une politique différente des pays occidentaux. Ils proposent une forme d'aide voilés, pour avoir des marchés publics, mettons en Afrique, ils vont donner des sacs de riz et ils auront comme ça le marché du stade de foot local ou de la voie ferrée locale. Donc les Chinois jouent un peu ce rôle de nouvelle influence dans le monde auprès des pays du Sud et ça change l'envergure du pays. Si vous voulez, on n'est plus face à une puissance régionale mais on est face à une puissance mondiale. Alors, grâce à l'argent que la Chine accumule dans les échanges internationaux, le fait qu'elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe aujourd'hui, la Chine a accumulé beaucoup de dollars. Elle s'est servie de ces dollars pour acheter de l'influence un peu partout dans le monde, mais aussi pour acheter de la dette américaine ou de la dette européenne, ce qui fait que la Chine est devenue un acteur important aussi de l'économie mondiale. L'immense dette que les États-Unis ont vis-à-vis de la Chine, alors ici, c'est près de 300 milliards en 2011, et réel, ça donne une partie de une idée de l'influence chinoise sur les États-Unis aujourd'hui, mais en même temps, ce sont beaucoup d'entreprises américaines, des firmes transnationales qui fabriquent en Chine et réimportent ou réexportent ces produits vers les États-Unis, donc ça reste quand même parfois des transactions entre grandes sociétés américaines, Apple, donc je vous ai mis l'exemple, qui fabrique ses iPhones en Chine et qui les rapatrie après aux États-Unis, c'est compté comme une exportation chinoise. C'est vrai que ça enrichit en bonne partie l'industrie chinoise, mais ça reste les bénéfices d'une entreprise américaine. Alors, je passe très rapidement sur cette question des réussites technologiques chinoises. Il s'agit là surtout de rachats d'entreprises de petite envergure européenne. Là, deux entreprises suédoises, Volvo et Saab.
C'est une manière pour les entreprises chinoises d'acquérir des savoir-faire dans l'automobile que les Européens ont développé. Mais sur l'influence générale mondiale, c'est plutôt des symboles que les Chinois investissent partout. De la même manière, les entreprises chinoises ont des partenariats parfois avec des entreprises européennes comme Renault et mettent sur leur marché des produits qui ressemblent fortement à ceux qui sont faits par eux. Alors ça, c'est une partie de la puissance actuelle chinoise qui se base aussi sur l'imitation, sur le détournement des brevets des entreprises américaines ou européennes et qui crée des petits conflits parfois entre Européens et Américains. Même chose dans le cadre du contrat passé entre Airbus et la Chine, où après avoir vendu des centaines d'avions en Chine, Airbus a transmis une partie de ses brevets et de sa technologie de l'avion A320 au constructeur chinois Comac. C'est bon pour les affaires sur le moment, mais on peut se demander si les Chinois vont pas se mettre à copier justement les avions d'Airbus et à les vendre à d'autres pays émergents à la place d'Airbus. C'est toujours le pari risqué de l'investissement en Chine, mais on voit que les Chinois développent des secteurs d'activité qui étaient totalement inexistants auparavant. Donc, toujours dans cette thématique d'ouverture de la Chine sur le monde, que ce soit économique, en termes de production, de finances, les Chinois deviennent aussi des acteurs importants du tourisme international. Alors, les Chinois les plus riches sont ceux qui consomment beaucoup, là, je vous l'avais dit, jusqu'à plusieurs milliers d'euros à chaque visite de magasin, avec des Chinois qui achètent des sacs ou des montres à 10, 20, 30 000 euros. Ça devient un des acteurs très importants du tourisme international qu'il faut pouvoir séduire, de la même manière que la classe moyenne qui se met à voyager aussi en Europe et qui est en train d'influencer beaucoup les prestations touristiques en Europe. Alors, la notion de point de crispation, ça vient du fait que la démocratie chinoise n'existe pas. On est face à un pays qui est une grande puissance, un peu comme la Chine, qui s'est beaucoup libéralisée, qui a une économie puissante, mais les citoyens n'ont pas les mêmes droits que les citoyens occidentaux ou même latino-américains. On a un pays qui reste très fermé politiquement, où exprimer une critique vis-à-vis du pouvoir reste dangereux. Alors la répression de Tiananmen en 1989, c'était une manifestation d'étudiants qui cherchaient avant tout à réclamer un peu plus de liberté de parole et de possibilité d'agir dans la politique locale et nationale. Les étudiants, au lieu de les écouter, le pouvoir a choisi de les écraser avec des chars, comme ici. Et c'est resté un événement très important pour les Européens essentiellement. Et les Américains, les Occidentaux, on va dire en général, qui ont compris à partir de ce moment-là que si la Chine s'ouvrait, c'était pas politique. Par contre, les Chinois d'aujourd'hui ont quasiment pas accès à l'information sur ce qui s'est passé en 89. Tiananmen, aujourd'hui, ça n'est pas enseigné en Chine, on n'en parle pas dans la presse, dans les systèmes scolaires et très peu dans les familles, parce que ça reste tabou. Et sur Internet, on trouvera des informations sur les événements de 1989, c'est-à-dire la répression des manifestations étudiantes, seulement dans des langues étrangères, ce qui pour les Chinois n'est pas toujours évident. Il n'y a quand même qu'une minorité de Chinois qui maîtrise l'anglais. Et s'ils font trop de recherches sur le sujet, ils risquent d'être repérés par la police. Alors dans cette partie du cours qui pourrait faire l'objet d'une partie de composition aussi, il y a l'idée que la démocratie en Chine reste un rêve, si vous voulez, que c'est un rêve pieux. Les gens qui réclament plus d'ouverture politique et d'expression individuelle sont mis en prison, comme le prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, qui est toujours en prison. Et dans le même temps, le pouvoir est confronté à des mouvements populaires contre la corruption, qui aboutit parfois à des lynchages d'hommes politiques dans les campagnes, qui sont tabassés ou voire tués par les villageois lorsqu'ils ont été corrompus, lorsqu'ils ont vendu les terres du village à une entreprise, lorsqu'ils ont pollué les eaux. Dans
Dans ce cadre général des années 2010, où la Chine est devenue une puissance qui s'est ouverte, où ses réseaux informatiques aussi sont bien connectés au monde, malgré tout, la censure reste très importante. Alors, beaucoup de secteurs de l'armée ou de la police en Chine servent à filtrer les communications, à espionner les Chinois. D'où cette expression anglaise qui existe en chinois de Great Firewall, c'est-à-dire la grande muraille numérique, la censure qui est opérée sur les sites chinois, ou si à partir d'une adresse IP chinoise vous voulez avoir accès à certaines informations, elles sont bloquées. Beaucoup de journaux occidentaux sont bloqués depuis la Chine. Les gens arrivent à les contourner quand ils s'y connaissent un petit peu en informatique, mais le citoyen moyen reste bloqué et n'a pas accès à l'information. De plus, l'armée chinoise est soupçonnée, ici là on voit le dragon face à l'aigle américain, d'attaquer un certain nombre d'États, d'institutions et d'entreprises informatiquement pour voler des secrets. Alors vous me direz, c'est de bonne guerre par rapport aux Américains qui espionnent aussi tout le monde, mais la Chine essaie aussi parfois de saboter les infrastructures informatiques de certaines entreprises de manière à privilégier la compétitivité de leurs entreprises. Alors, ce qui peut parfois laisser penser que la censure chinoise va devenir de plus en plus complexe, c'est justement que les réseaux sociaux empêchent de créer des barrières totalement étanches. Alors, rien n'empêche un Chinois qui est un petit peu doué en informatique ou en tout cas qui s'y connaît, de passer par des proxys ou des VPN pour se connecter à de l'information hors de Chine. De la même manière, les réseaux sociaux chinois, comme je le mets ici, QQ, qui est le concurrent de Facebook, est plus ou moins contrôlé par l'État chinois, mais toutes les conversations ne peuvent pas non plus être vérifiées. Pareil pour le téléphone ou autre. Les Chinois sont tellement nombreux que, comme les Américains, ils en sont réduits à créer des programmes qui vont traquer surtout des mots, des choses comme ça. Donc, l'ouverture à Internet de la Chine, quand même, ça empêche le contrôle absolu. C'est-à-dire que l'État chinois sera potentiellement obligé un jour de s'ouvrir un peu plus politiquement parce que l'information, il la maîtrise déjà de moins en moins. Alors là, on va prendre le temps de s'arrêter sur un point que j'avais peu abordé dans le cours, qui est que la Chine reste un pays qui se soude, en tout cas soude la population autour du régime politique, autour du nationalisme, et qu'on crée des petits conflits artificiels parfois pour montrer à la fois la volonté de puissance de la Chine, mais aussi rappeler au peuple chinois que la Chine est une grande puissance qui doit dominer la région. Donc ici vous avez une carte de la mer de Chine, les eaux qui sont revendiquées par la Chine là, ici en rouge, qui empiètent un peu sur toutes les eaux des voisins. Ici vous voyez les eaux territoriales vietnamiennes qui s'entrecroisent un peu avec les eaux chinoises, les eaux des Philippines ici en bleu. Bref, tout le monde revendique des zones concurrentes et pour les Chinois, c'est une manière aussi de rappeler que étant la principale puissance de la région, le pays le plus peuplé et avec l'armée la plus puissante, ils ont droit de revendiquer plus de terres, plus de pouvoir en mer aussi que les autres nations. Alors ça crée des tensions surtout avec le Vietnam, un peu moins avec les autres nations, mais c'est vrai que ces dernières années, ce sont surtout des bateaux chinois qui tirent sur des bateaux vietnamiens. Alors même si la Chine joue les gros bras vis-à-vis de ses voisins comme le Japon, la Corée du Sud ou le Vietnam, elle a accumulé quand même un retard militaire très important par rapport aux États-Unis, qui a 5 flottes massées dans le monde, des bases militaires partout, sur tous les continents, des alliés quand même présents aussi sur tous les continents. Les Chinois manquent d'alliés de ce côté-là, n'ont pas d'alliance internationale comme les États-Unis en ont créé avec l'OTAN ou l'OTAS. Et surtout d'un point de vue purement matériel, les Chinois, face aux 10-12 porte-avions américains, n'en ont qu'un. Un ancien porte-avions russe qu'ils ont réaffecté, qui est présenté ici, ce qui implique une capacité de projection
internationale, c'est-à-dire le fait d'envoyer des troupes et des avions assez loin de la Chine, qui est quand même pas énorme, qui est la même que celle que la France, et encore avec des avions et un porte-avions moins performants que la France. Donc la Chine, militairement, c'est pas encore une grande puissance, c'est même une puissance qu'on peut estimer inférieure à la Russie. Alors que économiquement, elle écrase largement la Russie aujourd'hui. Donc si on s'arrête là pour réfléchir 2 secondes, on peut quand même tirer le portrait d'une Chine à la fois très enrichie en termes économiques, qui est devenue un poids lourd de l'économie mondiale, une Chine qui est très liée maintenant aux États-Unis par ses échanges internationaux, Chine qui reste peu démocratique et dictatoriale, qui a plein de prétentions à devenir une grande puissance régionale et mondiale, mais en termes réellement géopolitiques, c'est-à-dire militaires et d'influence diplomatique, c'est pas encore ça. Alors la Chine n'est pas encore arrivée à un moment où elle pourra imposer ses vues au reste du monde comme les États-Unis. Alors après avoir vu tout ça, une conclusion assez simple s'est imposée, une conclusion que vous pouvez reprendre assez facilement dans une composition d'histoire, qui est que malgré la montée en puissance de la Chine, le monde est loin d'avoir encore basculé du côté chinois. D'accord, les États-Unis restent la première puissance mondiale, en partie parce qu'ils n'ont pas de soft power, c'est-à-dire une capacité à influencer les autres États et les autres cultures, justement par leur puissance culturelle et leur puissance diplomatique. Les Américains dominent encore avec leur langue, l'anglais, mais aussi les modes musicales, vestimentaires ou technologiques qui viennent des États-Unis, qui restent quand même celles qui dominent le monde, et notamment le monde occidental. La politique chinoise d'ouverture économique, c'est un succès, mais la force politique chinoise est encore à construire. D'accord? Ici, je vous mettais que l'équilibre chinois est fragile parce qu'il repose quand même sur un nationalisme qui permet de souder le peuple un peu derrière le Parti communiste chinois. Alors que le pays n'est plus communiste et tout ce qui reste de communiste, c'est la dictature. Un conflit majeur, notamment avec le voisin japonais qui a longtemps été l'ennemi des Chinois, un peu le rapport que la France a eu longtemps avec l'Allemagne, ou les États-Unis, c'est quand même très peu probable malgré cette agressivité et ce nationalisme, parce que les Chinois sont devenus extrêmement dépendants de l'économie américaine pour leur propre développement économique, ou de leurs voisins asiatiques. Que ce soit d'ailleurs Taïwan, qui s'est énormément rapproché de la Chine, Hong Kong, qui est devenue une ville chinoise, ou la Corée du Sud, qui est quand même bien plus liée économiquement à la Chine depuis 10-15 ans qu'elle ne l'était avant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre de l'ensemble du chapitre, c'est cette progression lente mais sûre de la Chine vers la puissance économique. Cette affirmation comme une puissance régionale, à travers les événements, les petits jalons que j'ai essayé de donner dans le cours. Mais à la fin, il faut quand même admettre que la construction de cette puissance chinoise et son rapport au monde n'est pas le même que celui des États-Unis. Les États-Unis sont toujours capables de projeter leur armée à des dizaines de milliers de kilomètres, capables de dominer la plupart des mers du monde, d'influencer la politique des Européens, influencer la politique d'une bonne partie des États du monde par un biais ou un autre, et ça les Chinois n'en sont pas capables. Les Chinois ne sont pas capables non plus d'influencer militairement la plupart des autres États, et en termes de technologie, même spatiale, de technologie militaire, ils ont un grand retard par rapport aux Américains, voire même par rapport aux Européens. Donc la puissance chinoise mondiale en tant que première puissance, pas seulement économique, mais diplomatique, technologique, culturelle, elle est encore à construire, elle va mettre probablement des dizaines d'années à se construire, et en 2050, probablement qu'on aura une influence chinoise bien plus marquée, mais il n'est même pas sûr que la Chine ait réellement supplanté les États-Unis dans tous les domaines. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette interprétation du cours là, pour vous permettre de mieux suivre et de mieux préparer. Ça va être suivi d'une version sur les États-Unis, mais aussi d'un petit de réflexion que je vais mener autour
des plans de composition possibles, et ça devrait vous permettre de travailler un peu dans, de votre, on va dire dans votre coin pour progresser, mais aussi pour faire certains exercices seuls.